contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous emmène en fait dans un petit vlog puisque on est parti à Saint-Paul-de-Vence, donc près de Nice. Et bah voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu mes petits moments ici. Donc là on vient d'arriver à l'hôtel, on est parti ce matin à 4h du mat. On a fait Metz, Paris, Paris, Nice. Et voilà, on s'est réveillé à 4h du mat, ça pique un petit peu les yeux, mais voilà, le résultat est là, on est super contents. Je vais vous montrer rapidement la chambre, donc on vient d'arriver, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà la petite chambre, très très jolie. Donc on est à l'hôtel La Vague de Saint-Paul, c'est très mignon, c'est très cosy. Alors ce que j'adore, c'est la vue, une petite terrasse en fait, très sympa. On a donc la vue, c'est très très calme. Très sympa. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va installer nos affaires, on va aussi aller au spa je pense, parce qu'il y a un petit jacuzzi, un mam, bon, il y a une piscine, mais je pense que là c'est mort la piscine parce qu'il fait quand même un peu frais. Mais voilà, on va s'installer et puis ben, je vais vous montrer donc ce qu'on va faire dans ces prochains jours. Si ça vous intéresse, restez avec moi et puis ben, je vous dis à très vite. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour. Donc là on est jeudi 21 mars. Et donc là on a été prendre le petit déj qui était très bon d'ailleurs, je vous ai mis les images juste avant. Et donc maintenant ce matin donc, on va aller visiter donc, le village de Saint-Paul-de-Vence. Et ensuite on ira cet après-midi sûrement faire une petite balade peut-être dans les coins, enfin je sais pas, on va voir. En tout cas l'hôtel est très joli, c'est l'hôtel de la Vague à Saint-Paul-de-Vence, c'est vraiment très très beau. Donc voilà, on est ici jusque... Attendez, je vous mets là. On est ici jusque dimanche, donc on va essayer d'en profiter un max. Donc restez avec moi, je vous montre tout ça. Donc là on est dans le centre de Saint-Paul-de-Vence, donc il y a de très très jolies boutiques ici, des boutiques très artisanales également, vous avez vraiment des petites cours intérieures comme ça, c'est super mignon, regardez derrière. On vient d'arriver au point pour la randonnée. Donc là on en a à peu près pour 2h30 de rando, ça va être sympa. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 22 mars. Aujourd'hui au programme, donc on a de la chance, il fait encore super beau. Et aujourd'hui donc on a mangé ce matin, on a pris le petit déj en terrasse, c'était d'ailleurs super, très agréable, il fait vraiment très bon. Et du coup aujourd'hui on va visiter Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc on va faire une petite balade, alors attendez je me mets là sinon vous n'allez pas me voir. On va faire une petite balade assez sympa je pense, on va visiter le coin donc ça va être cool. Et bien comme d'habitude je vous emmène avec moi. Bon, on vient d'arriver à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il fait extrêmement chaud. En tout cas, c'est très très joli ici. Regardez derrière, vous avez le port. C'est très très beau. Et donc là, on va partir un peu à la découverte de cette jolie ville. Je vais vous montrer tout ça en images. Donc là en fait on a trouvé un petit chemin qui fait tout le tour de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est magnifique, je vais vous montrer, j'ai la mer juste à côté.
L'eau, elle est juste sublime. Je vais vous montrer ça. Bon les amis, on vient de terminer notre petite balade sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'était magnifique. Là, on est en train de repartir vers la voiture parce que maintenant c'est direction Menton. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite ville, Menton, la ville du citron. Du coup, on va partir maintenant et puis comme d'hab, restez avec moi les amis. Nous venons d'arriver à Menton, donc là ce qu'on va faire c'est un petit tour de la vieille ville. Apparemment il y a plein de petites boutiques sympas à faire, et là on a trouvé un petit chemin. On fait que des petits chemins ici. On a trouvé un chemin en fait qui longe tout le bord de la mer, et on est en fait juste à côté du port. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça en images, ce sera bien mieux.